le pilote automatique. Mais quelle magnifique invention! Da, capitaine! Si tu veux être aussi balèze que moi, t'en as au moins pour 10 ans comme ça. Va t'acheter des muscles. Bigorneau le matin, le midi, le soir, j'en ai jusque-là des bigorneaux. Je rêve de faire un vrai repas. Je rêve de chair humaine. Non. Martine, regarde, il y a un cargo qui vient droit sur nous. Je te préviens, je me réserve les dodus. Il faut trouver un moyen de monter à bord sans éveiller les soupçons. Comme d'habitude, on sait comment faut faire pour appâter les loups de mer. Ah, comme d'habitude. Ça devrait marcher. On a dû heurter un iceberg. C'est une île! Avec des déesses dessus. Vous pouvez nous déposer à Acapulco, on a fait naufrage. Allez vous le proposer, demoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux membres d'équipage? J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre des nouveaux membres d'équipage. Ouah! La peau bizarre qu'elle avait, c'est là comme toi presque. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. L'équipage et moi-même sommes à votre entière disposition, mesdames. La grosse crie avec des herbes, qu'est-ce que t'en dis? Je vais préparer vos chambres, celle à côté de la mienne. Bon, on n'avait pas dit qu'on allait à Acapulco. Mais bien sûr, vos désirs sont des ordres. Non. Bon, voilà un joli morceau. Faudrait faire quelque chose pour ta peau. Je peux te prêter ma crème pour les mycoses, elle est très bien. Tu verras, tu seras aussi douce que de la soie. Hein? Vous croyez? Grace Fox, rien de mieux pour la santé. Et que de la viande, hein, que du muscle. Je travaille à la force de mes biceps. Comme une esclave, j'ai pas une minute pour m'occuper de moi. Oh la pauvre, c'est ballot. Oula, j'ai les nageoires qui ressortent. Toi, reste bronzée, on revient. Wow, t'as vu ses oreilles? Jamais vu des oreilles aussi moches. Et voilà, votre chambre est prête. Je vous en prie, entrez. Si vous voulez, je peux faire les bulles dans votre jacuzzi. Plus tard, d'accord? Rapido, c'est pas des humains, c'est des poissons. Hein? Vite, la fenêtre! Oh mon Dieu, elles sont horribles! Elles sont mortelles, tu veux dire. Ça s'appelle des sirènes. Aujourd'hui est un grand jour. Du papier A4 rose? Mauve! Mais bon sang, quand est-ce que t'apprendras tes couleurs? J'en ai marre que tu te trompes tout le temps! Ce que je voulais te dire à propos de ces sirènes, c'est que si j'arrive à percer leur secret de beauté, je serai fort, grand et mince, enfin! Je serai aussi fort que toi, enfin, beaucoup plus fort que toi! Parce que regarde-toi, franchement, physiquement, ça va pas! C'était rose, je suis désolé, c'était rose, je connais mes couleurs, ma veste est bien jaune. Hein? La chambre est pas mal, tu trouves pas? Mais avec tous ces humains à bord, être encore au régime bigorneau. Ils ont un vrai goût de banane, t'aimes pas? Rase aussi beau que moi, j'en ai jamais de la vie. Un cheveu devrait suffire. Non, Rasmo doit rester moche. Hein? Quoi, un bigorneau qui lance des bananes? Croque-les! Ah, je veux pas mourir! C'est incroyable. Elles ont peur de moi, toi. Qu'est-ce qu'il le monstre? En fait, elles sont entre kaki et bleu. Alors, mon prélèvement. Un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Direction le labo et bientôt j'aurai le secret de la musculation éternelle. Ah.
Ah ! Ouh, il fait chaud ici. Je vais te mettre un peu d'air pour travailler. Et voilà, là il fait frais, non ? Rapido, arrête ça tout de suite ! Et grâce à mon système de boutons, il souffle mais il aspire. Oups, oh désolé, il est cassé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh, je m'en fiche, j'ai un appartement, elles sont super poilues, la chance. Alors, cette crème, qu'est-ce que t'en dis ? Faut pas hésiter à en mettre, hein, que ça pénètre bien jusqu'à la viande. Miam. Épilation totale ! Oh, le rat ! Qu'est-ce qui se passe ? J'empêcherai ce croisement entre un rat et un poisson ! Rends-moi ma base à épiler tout de suite ! Ah, mes petites invités sont en danger ! Ça va, vous n'avez rien ? Il y a des rats ! Vous allez bien, mesdemoiselles ? Vous m'avez appelé ? Je ne vous paye pas pour rester au soleil à griller comme des saucisses. Ces saletés de rats vont nous faire démasquer. Si la grosse nous découvre, on finira à l'eau avant d'avoir pu la manger. On va la manger avant. T'as raison, on va pas attendre qu'elle soit bronzée. Rapido ! Ma face, rends-moi ma face ! Non, je peux pas pour des raisons d'éthique. Dis pas n'importe quoi, tu sais même pas ce que ça veut dire, éthique. Hein. N'importe quoi, ça veut dire s'accroupir. N'importe quoi, ça veut dire par exemple, éthique se dit d'une personne âgée. Ah, tu sais même pas, allez, va-t'en. Mais rends-la-moi maintenant ! Banza ! Viens avec nous, on a encore plein d'autres produits à te montrer. Je suis trop contente de vous connaître. Oui, nous aussi. Allez les filles, juste un petit prélèvement capillaire. Elle m'empêche d'approcher des poils. C'est ridicule, t'as jamais aimé les poils avant. Des poils, je veux des poils. Oh, pas de soucis. Svet est là. Quoi? Ton oreille. Boucle cache-oreille, c'est hyper tendance. On dirait des vraies nageoires. Ben oui, je suis un poisson. Et toi, tu seras bientôt un vrai rôti. Un rôti? Parfait, elles ont attaché Svetlana. Je vais pouvoir dépoiler en toute tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des monstres, elles veulent me manger! Si je mets ceci dans la centrifugeuse à l'aide de cela, le mélange donnera un cocktail qui me rendra enfin beau! C'est quand même bizarre des poissons avec des cheveux. Pourquoi elles ont ligoté Svetlana? Moi aussi je veux qu'on me ligote! Jeune personne, est-ce que ça vous dirait de faire un golf? Saleté de rats! Capitaine, ce sont pas des femmes mais des monstres! Hein? Des monstres? Béni! Vite! Il faut sauver cette lana! Un échantillon! Je comprends plus, tu cherches des lunettes ou des poils? Mais c'est pareil, tu connais rien, toi, c'est incroyable! Hein? Encore un échantillon pour le labo et hop, et de 4 et de... Acapulco, c'est raté, mon âme quoi dîner. Lâche le hublot. Jamais. Et si on mettait les moteurs en marche? C'est parti. Oh, attendez, revenez, c'était pour rire. Oui. On est des clowns. C'est vraiment, vraiment bien ton coup de clown. Hé, viens voir! Mais c'est vide. Dis donc, Raz, ta potion, ça fait de l'effet à partir de combien de temps? Mais t'as bu mon jus de poil? Non. Ma queue! Ah.
Bon, il faut que je t'explique un truc. Tu vas passer par différentes phases de transformation. Non, 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 mais reviens ici tout de suite. Alors la première phase, elle est très sympa, c'est juste la queue. Mais... Rase ma queue, c'est déjà trop, faut que tu me soignes. Je veux ma queue d'avant, rase. C'est juste après. Après, tu transformes en banane, ce qui est sympa aussi. Cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Oh là là, ces acteurs, c'est incroyable. C'est que des trucages. Le Kung Fu, c'est pas des effets spéciaux. Rallume. Mais je regardais la télé, là. N'importe quoi, ça va jamais griller, hein. Faudrait que tu laisses des jours et des jours avant que ça prenne une petite tache brune. Et voilà, ça, c'est du kung-fu. Rasmo, je vais t'avouer quelque chose. J'ai été un petit rat de 3 ans et demi qui a été recueilli et élevé par des moines dans un monastère Shaolin il y a bien longtemps. Quand je les ai quittés, je maîtrisais parfaitement le Tao de tous les animaux. Singe de feu, c'est ma spécialité. Ceinture noire, 16e dan. Bon, je te laisse. Si tu veux devenir un maître du kung-fu, tu devras étudier toutes les disciplines, petit scarabée. Et surtout connaître sur le bout des doigts l'art du... massage de pied. Comme ça, c'est bon, là, ça te plaît, là? Bien le bonjour. Vous allez faire vos valises et abandonner ce navire. Moi, je suis Bruce Louis. Lui, c'est Abdullah Abdullah. On est le gang de les dames. Ce bateau et sa cargaison sont à nous. Mais d'où tu sors, toi, hein? On est chez nous ici. Allez, hop, demi-tour, les gamins. Eh, mais c'est horrible, cette coupe. Tu vas me changer ça tout de suite. Allez, dégage. Je suis très impressionné. Bon, allez, tu dégages maintenant. Ou vous allez provoquer la fureur du singe de feu rapido, grand maître Shaolin de Kung Fu à 3 ans. Il va vous sortir, ça va faire très mal. Pire qu'une raclée. Tiens, j'ai hâte de voir ça. Oh, ça va être la honte pour vous. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Vas-y, rapido, vas-y, éclate-les, démonte-les. Je vais m'éclater. Je suis désolé d'avoir à vous demander de bien vouloir faire ce qui vous le demande. Il est un peu énervé ces derniers temps. Vas-y, rapido! Demain, quand on reviendra, il vaudra mieux que vous soyez plus là. Sinon... Génial, super, bravo, t'as pas donné un coup, quel contrôle. Génial, c'est bon, ils sont partis, t'en fais une tête, t'as pas l'air content. Bon, demain on remet ça, ok? Le dragon de fer,
cherche sa proie. Avec sa queue, il frappe. Très bien. Alors là, les yeux sont bien. Debout. Tu vas m'aider dans ma préparation kung-fu et de cette manière, le kung-fu tu apprendras. Ces deux brigands ont réveillé le singe de feu qui est en moi. Fais ce que je te dis et ouvre les yeux en grand quand le maître entre en action. Je reviens. Donc il se couche. Jette-moi un truc à la figure, allez. Et te retiens pas, vas-y à fond. Un truc comme ça par exemple. Jette-moi un truc. Le roseau plie, jeune facochère, mais ne rompt jamais. Maître, c'est incroyable, vous avez dispersé toute l'armée russe en 2 secondes. Grand chinois, grand. Merci. Excusez-moi de vous déranger, grand maître, mais ça sert à quoi cette odeur puante qui pue? Ça ne pue pas, c'est de l'encens, petit Fennec. Il permet d'éloigner les mauvais esprits, y compris ceux qui habitent un grand corps plein de muscles. Ah, ils peuvent venir! Maître Rapido les attend. J'avais pas dit qu'il vaudrait mieux que vous ne soyez plus là, hein? Sinon... Bien, bien, il est temps de passer au sinon. Tous vos sinons ont mis Maître Rapido en colère. Qui serait plus fort karatéka, évidemment, c'est Rapido. Voici. Le dragon de fer cherche sa proie. Le dragon de fer cherche sa proie et avec sa queue, il frappe. C'est dans Kung Fu Monster, le premier. Je l'ai vu moi aussi, plusieurs fois même. J'ai le coffret DVD Kung Fu Monster 1, 2 et 3. Avec des combats de Nunchaku en supplément bonus. Soyez dans ma taille. Alors là, tu me déçois énormément. Toute cette histoire d'enseignement à 3 ans et demi, les moines Shaolin, tu m'as menti et je t'ai cru. C'est pas beau de mentir, Rapido, t'es vilain. Eh oh le grand, viens t'expliquer avec moi de plus près. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes, tu te la fermes tout de suite. Dehors, tu dégages de ce bateau. Oh grand maître, acceptez-moi pour disciple, je vous en supplie. Apprenez-moi la technique du dragon d'or qui fume pour régner sur le port de Hong Kong. Tu veux être mon disciple? Ok, d'accord, ça marche. Mais tu te la fermes et tu me suis, ok? Alors, pour mériter le titre de grand maître qui fait ce qu'il veut comme forme avec la fumée, tu devras d'abord gravir les 707 échelons de la sagesse. D'accord. Très bien. Pour l'étape numéro 1, il te faudra faire preuve de courage. Tu vas plonger dans la mer, nager jusqu'au Cambodge, où tu graviras la montagne de la vérité. Tu pourras la reconnaître. En haut, il y a un peu de neige. Quand ce sera fait, ben, il y aura la pause déjeuner. Après, on enchaîne. Merci, ô grand maître du dragon qui fume. Foyaya! Wow!
Mais il est incroyable, ce magicien. Il a réussi à transformer un grand cheval en grand poney. C'est fou, ça. Mais c'est un bouffon. La magie, c'est pas ça. Tout le monde le connaît, le coup du poney. C'est des effets spéciaux. Rien à voir avec la vraie magie, celle que je connais. Celle de Houdini, mon maître. C'est lui qui m'a tout appris, oui, quand j'avais 2 ans et demi. Bon. Allez, abracadabra. Houdini fut le plus grand des magiciens de toute l'histoire de la magie. Répare ça tout de suite! Non, tu te la fermes. Allez, tu dégages maintenant, sale mouche. Allez, je vais chercher une tapette, dégage. Oh, mais c'est de toute beauté! Mais regarde-moi ça! Mais c'est magnifique! Oh, c'est un paysage, mais des palmiers sauvages! Oh, regarde! Oh, comment des mouettes! Comment c'est beau! Quelle majesté, quelle grâce, un bec jaune! Oh, comment elle est mignonne, la tortue sur la plage, elle est toute verte! Oh non, elle est trop, vraiment trop rigolote avec sa maison sur son dos! Oh non! La tortue se fait attaquer par une méchante mouette, laisse-la! Les sales mouettes! Cette pauvre tortue, elle leur a rien fait! Rapido! Amène-toi! Faut me donner un coup de main! Hé, hey, écoute ça! Mick Jagger s'est fait des implants capillaires! C'est peut-être pas une mauvaise idée! Et si je me faisais des implants moustachés? Regarde ce que ces sales mouettes vont subir à cette pauvre tortue sans défense! C'est intolérable! Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est un travail pour un héros comme toi! Très bien, allons sauver cette grosse moule! Ouais, sauf que c'est pas une moule, c'est une tortue! Et ça fait 2 ans que je sens plus rien. Je suis une bête. Comment je leur ai mis au moins 2 kilomètres au dinde? Bien, je suis fier de toi. Je vous en resserre une tasse, Rosie? Hein? Comme il est mignon, comme il a l'air gentil, ce petit rat. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est Roselyne, une tortue qui vit dans le coin. Celle que t'as sauvée des griffes des méchantes mouettes qui l'avaient attaquée. Ah, elle m'a bavé dessus! Dégage, me touche pas, dégage! Arrête, je suis même pas touché! Ah, je me sens pas bien, j'ai mal au cou. Ouais, comme par hasard, va vomir dehors! Oh la pauvre, c'est vrai qu'elle est toute verte. Vous devriez vous allonger sur le canapé, je pense. Trop tard, c'est pris! C'est pas très très gentil, Rapido! De l'eau, je veux de l'eau! Pas de problème, suivez-moi, ma chérie. Allez hop, tout le monde dehors, c'est mon tour! Regarde, elle est en train d'accomplir je ne sais quel rituel mystérieux. Oh la coquine! Elle se ferait pas un petit nid d'ouïa comme par hasard? Du sable! Du sable? Il y en a plein la plage, du sable! Alors t'as qu'à y retourner chercher ton sable! Rapido! C'est pas une façon de traiter une invitée verte! Surtout, si cette invitée est un peu malade! Fiche-lui la paix!
tout de suite, Roselyne. Je vais vous en ramener, ma chérie. Oh, la honte. Tu devras aller t'enterrer quelque part. Allô? Tu creuses ta tombe? Dégage! Et je te conseille de laisser la tortue tranquille du pige. Je m'en fiche d'elle, elle m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ses œufs. Les œufs? Quels œufs? Rosie est enceinte, mais de qui? Oui, de mon petit déjeuner. Vite! J'en prendrai une douzaine. Dégage, sale bête jaune! Roselyne! Pourquoi vous m'avez pas dit? Encore un petit effort, allez, tu y es presque! Rapido! Tu arrêtes! Roselyne, attendez, petit! Va-t'en, on a besoin d'intimité! Vous allez avoir tout un tas de petits bébés! C'est fantastique! Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. C'est pour voir si vos bébés vont bien. Ils ont l'air en pleine forme, on dirait. Oh là là, tu joues encore à Pong, mais c'est un jeu vieux comme toi! C'est pas un jeu vidéo que tu regardes, Rapido, c'est la vie en direct! La quoi? C'est des œufs pleins d'œufs qui deviendront des jolies tortues! Ouais, bah si ça continue, elle va plutôt exploser, hein! Ça vient! Je dois respecter la tradition! Il faut que j'aille pondre sur la plage! Dépêche, creuse, dépêche. Vite, ça vient. Dépêche. Installez-vous, maintenant c'est à vous de jouer. Allez, toi tu viens, j'ai une intimité à préserver, dehors. Oh, désolé, excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce que je peux être nul en la route. Tu vas voir que maintenant elle va se transformer en Hulk. Écoute cette musique. C'est magique, c'est le miracle de la vie. Aïe. Oh, ils sont si petits, si fragiles. Oups. Aïe. Eh, hey, oh, tu touches pas les affaires. Lui, quand il bouche les trous, il bouche les trous. Oui, mais après les trous, faut qu'il aille à la cuisine. T'as faim, toi? Mais moi, je veux bien essayer maintenant que j'ai de la place. Wow! La médaille officielle des parrains des bébés tortues verts. Ouais, c'est pas tout ça, il faut que j'y aille. Je suis garé en double fil. Allez, veille bien sur mes petits! Faut toujours que tu te fasses avoir. Ah, il est jaloux, la honte. Grotesque. Ah, le pique-nique! Mais tu l'as laissé en plein soleil, mais qu'est-ce que t'es nul, hein? Bon, bah d'accord, va pour une fondue. Tu peux m'en apporter un peu? Ah! Dégage! Laisse-nous tranquille! Sauvage! Va voir ailleurs si j'y suis! Ah, hé, rongeur! Si on se faisait une petite bouffe tous les deux, hein? Rien que toi et moi. Une méga omelette au fromage. Une omelette au fromage? Mais c'est que c'est pas bête, une mouette, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que ça tourne par an là-dedans. Je suis parent officiel, je te rappelle. Trouve un moyen aussi, toi, que je bouffe. Ah, ça y est, ils sortent. Pour l'omelette, je crois que c'est râpé. T'inquiète, les cuisses de tortue, c'est aphrodisiaque. Dans mes bras, mon grand bien. Dégage, dégage. Tu touches pas à mes neveux, t'as compris? Sinon tu vas le regretter, regarde ça. Ok, ok, t'énerve pas. Tu veux manger les roses? Mange les roses. Et moi je bouffe les bleus. C'est ma couleur préférée. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi? Et la fondue alors, je la laisse brûler? Mais il est malade, ce mec. Vite! Vite, faut les mettre à l'abri. Hey, comment elle est mignonne, celle-là? Espèce de pique-assiette. T'as aucune chance, je suis le meilleur. Hein? Oh, je vais m'en mettre jusque-là. Non, pas par là. Repose-les tout de suite. Non, attends. Non.
On a gagné. Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les rats. On a des bons rats et aussi on... Oh non, ma rat de bord est bousillée. Oh, allez, viens, Razmo. On rentre. Super! Razmo fait de la fondue! Est-ce que tu peux être douillet? Mais c'est rien, c'est juste un mauvais moment à passer. Il y a des fumes dans la fondue! Rapido, rends-moi ça! Mais t'es devenu fou ou quoi? Mais n'importe quoi, tu manges n'importe quoi! T'inquiète pas, Roger, c'est bon, hein. Je vais te faire un petit costume en plume, sur mesure, en attendant que les tiennes repoussent. Eh, c'est ma serviette! Ah oui? Et toi, tu sais que t'as bouffé les plumes de mon croupion? Oh, ça va, le poulet, les mouettes, c'est pareil. Puis t'as déjà mangé pire, hein, rappelle-toi. Quelle magnifique journée. Bon, je t'explique le plan. Toi, tu fermes ton bec et tu obéis. Non, toi, t'arrêtes de me commander. Je suis pas un môme. Je sais très bien quand je dois me taire. S'il y a bien une chose à cajoter, je... toi, le capitaine va nous entendre. 8271, 8272, 8273, 8274, qui compte son fromage le matin éloigne le médecin. 8275. La section 11. Oh, la section, on a été dévolisé. Tout fromage de la section 11 a disparu. Rapido. Eh oui, la voix de Bruce Willis en français, c'est moi. J'ai aussi doublé Gérard Depardieu. On est devenus très potes, lui et moi. Un talent incroyable et pas du tout la grosse tête. Un bon vivant comme moi. Mais je fais pas que ça, je réalise aussi des films d'horreur. Tiens, je t'aurais bien... Alerte de Gérard! Aïe. Tout le monde sur le pont, on a été volé! Tiens, t'as encore besoin de moi, mon petit Razmo? Rapido, on est mal. Des voleurs mal intentionnés nous ont volé la section 11. C'est une catastrophe, un désastre. C'était notre plus grande crue. Mais calme-toi, inutile de speeder, tu vas te griller un neurone. T'as sûrement mal compté. Écoute-moi, je te dis que le fromage s'est envolé, et pas tout seul. Si tu m'aides pas à le retrouver, on va faire une carence en calcium. Les voleurs! Putain, ferme-la! Il se pourrait bien qu'on nous surveille! Hé, hey, tu te caches de qui, là? Mais ton avis! Laisse-moi deviner, une loutre a craqué pour ton petit corps? Je m'étais mis en embuscade! On sait jamais si les voleurs sont encore là! Raz, mon pote, je crois que tu deviens complètement parano. Peut-être que t'en sais plus que tu crois. Je sais que tu sais. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Peut-être que le renard est toujours dans le cellier. Je vois, ça y est, j'y suis, ça crève les yeux. C'est une blague de bouffon. J'étais aveugle. Mais là, j'y vois clair. Tu me rassures, chouchou. Très drôle. Alors, où est-ce que tu l'as caché? Quoi? La section 11. Oui, exact, la section 11. On progresse. Les meules qui ont disparu. Tu sais bien, ta petite plaisanterie fine de cacher le fromage. Je comprends pas un traître mot ce que tu me dis. J'adore ton sens de l'humour. Bon, allez, dis-moi, où est-ce que tu l'as planqué? Désolé, vieux, j'ai rien planqué. Bon, d'accord, on a bien ri. Tu l'as planqué où? Je t'en supplie, ne me fais pas tourner en bourrique. C'est vital, j'en ai besoin pour mon équilibre intérieur. Tu comprends? J'en peux plus. Arrête ce jeu stupide. Je sais que c'est toi le coupable. Je t'ai démasqué, mon gars. Arrête ton baraton, espèce de fou, de kleptomane fromagé. Tu n'es qu'un traître, un scélérat, un faux frère, un voleur de fromage.
puisque c'est ça, tu peux toujours courir. T'en auras plus un gramme, non, monsieur, rien du tout. Pas tant que je serai là pour le surveiller, le protéger de la racaille, des malhonnêtes dans ton genre. Excuse-moi, vieux, mais là, j'ai plus trop le temps d'écouter tes élucubrations. Un conseil, va prendre l'air, t'es trop dans la cale. Marche d'un pas léger, rapido, car le vaillant Rasmo restera sur le pied de guerre tant que le cerveau criminel, le cher fasciste fromagère, ne sera pas mis hors d'état de nuire. Moi, j'ai lu cubre. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous l'amener, l'enquête. J'irai jusqu'au bout. Et pas de quartier. Jusqu'à ce que justice ou fromage soit fait. Katia, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tais-toi, imbécile! Tu charges le fromage si c'est pas trop compliqué pour toi. Et le plus important, tu la fermes, capiche? Mais tu sais, c'est beau le formaggio. Je t'ai dit de la boucler. Tu la mets en veilleuse et moi, j'établis le contact avec les autres. Pizzaiolo à Cheese Connection. Pizzaiolo à Cheese Connection, vous me recevez? À vous. Ici Cheese Connection, vous avez le pognon, répondez. On a le pognon si vous avez le frometon. On a le fronton si t'as le pognon, bouffon! Toi, tais-toi et tu leur ouvres la cale! Je suis pas ton arbre d'abord, alors arrête de me commander! Lumière! Voilà, fromage! Maintenant, envoyez la monnaie! Oh, les crapules, je les tiens, ces infâmes voleurs de fromage en série! Je parie que ce sont les complices de Rapido. Faut que je prévienne le capitaine. Vite. Oh, il dort encore, les galères. Rasmo, au travail. Il est temps de se débarrasser une fois pour toutes de ce vaste réseau de trafiquants de fromage. Et du tac au tac, j'ai répondu à Schwarzenegger. Un homme de votre classe ne devrait pas vivre dans un igloo. Canaille. Frimeur, à la rigueur, mais je n'irai pas jusqu'à dire que Schwarzy est une canaille. Toi, Rapido, c'est de toi que je parle, Rapido. Naturellement, tout le monde parle de moi. T'imagines même pas à quel point tu me déçois. Il faut toujours qu'il en fasse des tonnes, lui. Abruti! Vas-y, braque à bâbord! À gauche, j'ai dit! Bientôt, Svetlana pourra rentrer au pays et s'offrir Saint-Pétersbourg. Et Benny pourra aller aux États-Unis et s'offrir plein de hamburgers! Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ça? Un piège à rat supersonique! Hein? Il peut pas causer comme tout le monde! Et 1 à 0 pour Rasmo, l'Asdic! Joli cœur, à part un autre service, tu me reçois? Je ne comprends pas, ma biche. Il doit bien être passé quelque part. Alors toi, je te laisse 5 minutes et t'en profites pour faire la sieste au milieu de la route. Il y a toute une armée de petits Rapido qui se font la malle avec le fromage. Le fromage est en danger. Il y a des petits Rapido partout. Extermination. Protection du fromage. Prends ça. Et ça, et ça. Ça va mieux, tu te sens bien là. Alerte, un Rapido géant. Il faut que je l'arrête. Un dératiseur manuel parfait. Tu peux pas t'en tirer comme ça. Je vais te montrer ce qu'il en coûte de me piquer mon fromage. J'en ai encore là. Décidément, c'est une idée fixe, hein. Mais ça là, hein, tu peux m'expliquer ça? Ils embarquent tout notre fromage. Voilà votre pognon. Le fromage, le fromage. Une bande de truands nous pique notre fromage. Et maintenant, qui c'est qui voit des petits voleurs dans sa tête? Un plan, vite, il nous faut un plan. Attends, le ventilateur
est en marche. À vos ordres, capitaine. Plein gaz, on dégage. Deux secondes, il faut que je coupe le câble. Merci beaucoup, toi aussi, bonne chance. Attends. Aïe, j'ai coupé le mauvais câble. Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, fonce! Et si vous passez un beau jour à Saint-Pétersbourg, surtout ne cherchez pas à me voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Il y a un problème! Je vous interdis de me toucher, sinon... Ouais, vous allez faire quoi, sinon? J'ai horreur des menaces! Je retire mon offre! Et moi, je reprends la marchandise! Non, surtout pas! Gardez le fromage! Merci, on va se gêner! C'est ce qu'on va voir! Et c'est parti, Brown! Svetlana se défend bien, disons, costaud de la petite, hein! Tu m'étonnes, tu m'étonnes! Rendez le fromage! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi! Mais t'as le cerveau lent! Pourquoi t'as repris la marchandise? Il a touché Svetlana! Personne ne touche Svetlana! Arrivederci, bande de parmesan! Hey vieux! N'aurais d'avoir douté de toi, t'es pas fâché au moins! Oh, tu rigoles ou quoi? Si on se faisait une petite rangée de fromage! Rapido, tu sais que t'es un mec bien! Ouais. Et on a la valise des dollars! T'inquiète, on mange un morceau et je retourne les corriger, moi. T'es sûr, trop rapido. Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice. Oh, je ne comprends pas, ça fait 5 fois qu'il cale. C'est bon ça! La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore! Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler! Vite! Je retourne à ma place! Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt! Envoie la sauce! Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche! Je vais prévenir les capitaines! Mais... À la galère! On n'a plus de carburant! Compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant trop par hasard? Parce que là, on a, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah, bravo! Vous êtes très fort! Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Aide-moi, aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Attends, arrêtez, c'est comme du bazar. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de Svetlana. Je sais qu'elle me déteste. Il me faut ma dose de vibrations. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, excellent, je suis sauvé! Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh oui! Oh, ça fait des bulles encore! Oui, oui, mais pas!
Tranquille, je vais te réparer ça, on n'a rien de temps, c'est bon. Mais c'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grille-pain recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi! Mais je sais, j'ai trouvé! Je vais fabriquer un nouveau moteur! Un moteur encore plus puissant! Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses! Manœuvre de ravitaillement! Préparez-vous à recevoir le carburant! À découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet, théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur, gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations, puis par un effet de ricochet, le larsen rebondit dans les chambres de résonance où tout s'amplifie et se multiplie. Cette réaction chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse le du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors, eh ben c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Me reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non? Viens par là. Ah, je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux. Tes mots dépassent de pensée. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite! Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud, aussi soyeux. J'adore. Ah, une fouine! Démarre. Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'atteindre longtemps. Il faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine. Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Au secours, au secours! À l'aide! À l'aide! Accroche-toi, vieux! Rapido, rapido, attrape ma main! Tu vas lâcher la porte, oui! Non. Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici! Ne mangez pas, madame! Mais c'est pas du tout mon intention! C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Oh là! Qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, c'est tout. Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles! Allez, envole-toi! Il faut que je me cache avant que la fouine revienne! Je veux voler! Oh, je vole! Oula, faut pas que je traîne ici! Ça glisse, aïe.
Attends, pas où. Ça décoiffe. Non, non, non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Ça nous fait donc un total de 1 000 000 d'euros et 35 centimes. 1 000 000, diable, mais regardez-moi bien, vous vous payez ma tête. C'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais... Attention! Impossible, vous êtes trop lourd pour la rade-bord. Mauvaise réponse! Je veux voler! T'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé! Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de Jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude! Sensation garantie! Ouais, j'achète! Je veux bien l'essayer, ton truc! C'était un plaisir de vous rendre service! Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami! Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins! Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise! Décollage dans 2 minutes! C'est que vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan. Y a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein? Hein? Attends, je suis pas d'accord, là. Youhou! Les vibrations, oui, c'est bon! Super sens de l'humour, j'adore ça. Non, j'en suis tout retourné. Je devrais dire qu'un accident, ça n'a rien de marrant. J'aurais pu mourir, moi. Oh là là, je sais ce que je vais faire. Tu vas mettre un casque? Non. Tu vas mettre deux casques? Hé, hey, Razmo, tu veux essayer de battre le record de vitesse supersonique, brum brum? Mon Dieu, Razmo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Ne me dis pas que tu t'es mis à la peinture abstraite! Pas vraiment. Je prépare... un panneau de signalisation. Un quoi? Il faut mettre en place quelques normes de sécurité ici et là. À commencer par 2-3 panneaux! Jusqu'à présent, on s'intéressait qu'à la vitesse, sans jamais penser à la sécurité. C'est dommage. Mais maintenant, les choses vont changer grâce à mon nouveau système de panneaux. Ouais, bon, d'accord, mais maintenant tu viens, on fait la course. Attention! La
vie est trop précieuse pour la risquer sur un coup de tête, il faut surtout... Arrête de me prendre la tête avec ton blabla sur la sécurité, je m'en fiche! Laisse tomber, monsieur sécurité. Je peux te dire que j'ai pas besoin de toi pour battre leur corps de vitesse. Stop! Arrête-toi! On est prié de respecter la limitation de 10 km/h. Ça te va là? Pas trop rapide pour toi? Quoi? J'y crois pas! J'ai raté le record de 3 secondes! Silence! Hôpital, t'as pas lu le panneau? Bah c'est pas grave, je vais te mettre une contravention. Tiens, tu lis ça! Attentivement! T'as jusqu'au 31 pour payer, si tu dépasses, bon bah après, ça sera ma journée, bien sûr. Les limitations de vitesse, c'est pour les bouffons dans ton genre! Or... Qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bah celle-là, il a pas volé, bah je vais lui remettre une contravention. Mais ce type est complètement malade. À 2h du mat, il peint des panneaux de signalisation. Rasmus, j'en ai qu'à essayer de dormir. Oula, la nervosité est un vilain canard qui se mange froid. Tiens, moi j'en connais un qui va battre son propre record de vitesse aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Rasmo, c'est vrai? T'es partant mon vieil ami de toujours. Je croyais que ta blessure à la tête t'avait détraqué. Oh, merci. Allez, viens, c'est par là. Allez, en voiture, et que le meilleur gagne. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bricolé une petite amélioration sur nos radboards. Oh là 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 là, une amélioration quoi? Tu vas voir, ça va te plaire, c'est sûr. C'est quoi ça là? J'accélère à fond et pourtant on fait du surplace. Vous avez atteint la vitesse maximale. Qui c'est qu'a dit? C'est Steve, ton super ordinateur de bord. Veuillez laisser vos mains à l'intérieur du véhicule. Attention, je suis en train de te dépasser, non! Rasmo, reviens ici tout de suite! Enlève-moi ce truc débile de ma radboard! Veuillez ne pas toucher au système de commande. Steve est un gentil système de sécurité programmé pour ta protection, il est très gentil. Et c'est maintenant Villeneuve qui décide de dépasser sur la gauche et qui part le premier dans la ligne droite! N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser la route. Mais ferme ta bouche! Dégage! Hé, hey, attends! Dis-moi, si je me trompe pas, tu es bien programmé pour assurer ma sécurité, oui ou non? C'est exact. J'ai comme priorité absolue de protéger le conducteur en toutes circonstances. Bien! Alors c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Attention, danger imminent. Nous nous dirigeons tout droit sur un hachoir géant. Tu m'as parlé? Changer de direction. C'est incroyable ça! Touche pas à mes commandes, d'accord? Avec ta saleté de main ou je t'en mets une? Ben vas-y, t'es si fort! Ah, ça y est, je te tiens! J'en ai marre! On commençait tout juste à s'amuser! Enclenchement de la ceinture de sécurité 4 points. Système de refroidissement pour le conducteur en surchauffe.
Mais on est où là? Nous sommes actuellement dans le tuyau de vidange du navire. C'est quoi ce bruit? Non! Alerte jaune. Alerte jaune. Plus vite! Ce truc de fonce dessus! Nous avons atteint la vitesse maximale. Steve, Arasmo, nous sommes bloqués dans la fosse septique du navire. Oh non! C'est la catastrophe! Je détecte une hausse de tension. Le repos est conseillé. Mon ami est en grand danger! Votre tension est montée à 18-12. Je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Non mais... Mais c'est moi qui commande, c'est moi le patron ici, mais t'as compris? C'est moi qui t'ai conçu, non? Douche relaxante forcée. Rasmo, qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous que je vous chante une chanson? Monsieur l'ordinateur de bord, prépare-toi à retourner au cimetière des ordinateurs. Rasmo, je t'aime. À fond les bananes! Rasmo, enlève-moi cette prothèse monstrueuse immédiatement! J'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, j'avoue. Maintenant! Alors, t'as bien tout enlevé? Il reste plus rien? Désolé, vieux, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu pété les plombs. Mais on aura appris quand même une chose super importante. C'est que la sécurité et l'hygiène sont les deux mamelles de l'homme. Tribord, tout! Non, bah, pas bord! Je vous préviens, si ça continue, je vous rends mon goûter. Ça va, ils sont biodégradables, hein? Maintenant, un peu de lecture sérieuse. Fini la crasse, fini l'été sourtre, place franchement. Super nettoyage man est là avec son grand bras avec des dents au bout. Attrape, ramasse et jette derrière. Tu peux me jeter ça, s'il te plaît? Attends, mais tu rigoles, mais attends, pourquoi tu le fais pas toi? Attends, mais t'as qu'à le faire toi-même. Mais non, monsieur est au-dessus de ça. Et Rasmo est là, alors pourquoi s'embêter? Tu comprends vite. Bon, t'as largement de quoi faire. Et moi aussi, je suis débordé. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec mon miroir. Salut, Raz. Amuse-toi bien. Ça, c'est incroyable. Je me suis encore fait avoir. Je déteste quand tu me fais ça. Michael Jackson lance une grande chasse au trésor pour retrouver son ombre. Il est trop fort, Michael. Une chasse au trésor, mais c'est une super idée. Ouais. Yo, 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 je suis le rat qui fait du rap. Yo, 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 rap, 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 pas fromage. C'est comme du fromage, c'est comme du rap, c'est le rap à fromage. La solo de ma voix. La la la. Hmm?
Lorsque je mange un bout de fromage, je me sens comme un vrai roi mage. Oh. Regarde un peu ça! Mais que me vaut la joie de ta visite? Regarde! C'est une carte au trésor! Oui, ça ressemble bien à une carte au trésor, on dirait, avec des énigmes. Avec des énigmes, ouais! Celui qui saura résoudre ses énigmes, il est dit, découvrira d'immenses richesses. D'immenses richesses! Oh, je le savais! Rasmo, si tu m'aides pas à résoudre les énigmes, je te lèche les pieds. Ah, alors là, dans ce cas, je vois pas comment je pourrais pas dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? Non, Rapido, c'est comme je viens de te l'expliquer. C'est écrit là-dessus. Il faut que tu nettoies tout ce fromage si tu veux connaître la prochaine énigme. Et il y a d'ajouter qu'il faut que tout soit parfaitement nickel chrome. J'ai nettoyé tout le fromage et il n'y a pas d'énigme. Si ça se trouve, peut-être qu'il n'y a même pas de trésor. Si, Rapido, regarde! L'énigme numéro 2! Fais voir! Bon, allez, donne-moi ça. Oui, je vois, c'est de l'encre chinoise du Cambodge. Si je lis bien le texte, l'énigme suivante est cachée sous le papier peint de la cabine du capitaine. Elle va être toute belle, la décoration de mon atelier. Ici, ce sera bien. Hey, rapido, j'ai trouvé le troisième message. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais tu trouves pas? Elle est pourtant facile, celle-là. Il faut que tu dévisses les éléments de rangement de la cuisine. C'est là que tu trouveras la toute dernière énigme magique. Pas trop violet, mon violet? Et voilà, c'est quand c'est chaud à s'en brûler la langue que c'est beaucoup meilleur. Je vais chercher 2-3 patates. C'est une super idée, l'air de rien. Il me refait le stock de vis de mon atelier. Bon, alors, elle est où cette énigme? Il n'y a pas d'énigme. C'était juste une ruse pour te forcer à me donner un coup de main. Et il est là, le trésor. C'est toute une boîte de vis. Bon, très bien. Elle est où, cette énigme? Une patate, 2 patates, 3, 2, 1. Non. Ah, ça brûle. Bon. Ouais, l'énigme, je l'ai trouvée. Derrière l'anneau d'or se cache la merveille, le plus somptueux des trésors, l'anneau d'or. Je trouve l'anneau d'or et fais ça. C'est incroyable que je suis intelligent, c'est bien simple, je suis un génie. Je suis plus génial que Einstein. Einstein. J'ai rusé rapido comme Einstein. J'ai trouvé l'énigme sur le mur, derrière les placards. Je vais tout te raconter depuis le début. En fait, il n'y a pas de trésor. Tu comprends? Regarde mes doigts, regarde. Hop, 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 il n'y a pas de trésor, tu comprends ça? T'as été bien manipulé. Et grâce à toi, j'ai pu tout retaper, tout l'intérieur, tout est impeccable. Tu crois vraiment que je vais gober ce tissu de mensonge? Espèce de petit rongeur. Mais t'inquiète, je vais le trouver, ce trésor. Et il sera à moi tout seul. Et avec, je vais m'offrir toute une collection de chaussures. Il est complètement malade. L'anneau! Il faut que je trouve l'anneau! Ah! Rapido! Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout saccager sur ce navire jusqu'à que tu me dises où t'as caché l'anneau du trésor! Puisque je te dis qu'il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien! Il n'y a rien! Comme tu voudras. Je vais voir quel dommage je peux faire pendant que tu réfléchis. Non! Arrête! Ah! Arrête, Rapido! Je te jure, c'est la vérité! Il n'y a pas de trésor nulle part, rien! Ouais, c'est ça! Mais y a rien là! Où est-ce qu'il a bien pu le cacher? Hé! Hey, attends une minute!
Ouais, Razmo et son papier peint. Mais bien sûr, c'était pour cacher quelque chose. Oh non! Le grand nettoyage du printemps! Faut tout refaire! Sainte clé de la Marie-Joseph de Sainte-Bois, il est dans l'atelier! Ah, mon atelier, il l'a détapissé! Bon, alors, cet anneau, je t'écoute, où il est? Il n'y a ni anneau, ni trésor! C'était juste une blague, alors arrête! Ouais, c'est ça, et ça c'est quoi? Hein? Il y a vraiment un trésor caché à bord! Ouais, c'est ça, joue pas les idiots avec moi, d'accord? Mais attends, c'est un miracle! Rapido, on va être riche! Non, non. Moi, je vais être riche. Ah, d'accord, je vois le genre. Hé! Hey. Mais attends, tu donnes ça à un enfant de 4 ans, y a pas de problème. Il comprend tout de suite, c'est réglé. Et où est l'anneau? Je commence à perdre patience! Ah ouais? T'as de l'impatience, toi? Si t'en avais, t'aurais lu tout le message. Mais alors? Mais t'as même pas lu tout le message! Mais bien sûr, je l'ai lu! Oh la honte, il a pas lu tout le message! Tu me dis que tu as lu tout le message et tu l'as même pas lu! Mais c'est écrit là! C'est là, l'adresse de l'anneau, au milieu du plafond de la cuisine, il est nul! Hein? Ouais! Tu vois, c'est ce que je te disais, il est tombé du mur! Ah, j'espère que ça va tenir, cette fois-ci! Ah, il tiendra, rassure-toi, et maintenant retourne à ta cuisine! Ah, je suis dans ma cuisine! Ce soir, fromage et patates! J'ai décroché le grelot! À moi le trésor caché. Oh, ça brûle les yeux tellement ça empeste. Ouah, ce fromage, mais qu'est-ce qui pue. Il est très 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 vieux, il y a des hiéroglyphes dessus. Regarde, mon Dieu, mais ça date de l'Égypte antique, c'est horrible. Benny, le capitaine. Oh, Benny. Oh non, il a succombé à l'odeur de ce... Ah, oh, je dois sauver l'équipage. C'est une vraie infection. Mon trésor! Tiens, rapido! Et dis donc, on est passé à deux doigts de manger ce truc-là! En attendant, les poissons, ils dégustent un maximum! Ben là, tu vois, je crois qu'on l'a échappé sacrément belle. Un peu plus, on devenait vert. Oh, toute cette histoire, ça me donne envie de vomir. Tu voudrais pas vomir en chantant? D'accord. Yo, c'est moi, le super rappeur. Solo de boîte à rythme. La compte au tac, la compte au tac. Fromage, 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 fromage. Solo de triangle. Fromage, 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 mage, mage. Solo de mandoline. Oh, y'a ta rythme, y'a ta